Donc pour commencer, pour initialiser chacun des micro-bits, donc en pesant sur le bouton remise à zéro à l'arrière. Une fois que les micro-bits sont tous réinitialisés, il y a un point rouge qui apparaît au centre. Par la suite, on va seulement faire avancer notre véhicule. Donc, une fois que le micro-bit a soit parti son chronomètre ou encore arrêté, on va avoir un petit bonhomme sourire dessus. Et lorsqu'on va venir appuyer sur le bouton A, on va avoir le temps qui s'est écoulé entre le moment du départ et le moment où le robot ou l'objet est passé devant chacun des micro-bits. Si on veut recommencer, la seule chose qu'on a à faire, c'est réappuyer sur le bouton remise à zéro. Puis à ce moment-là, le prochain élève pourrait reprendre un autre véhicule, puis le faire passer, puis avoir ses lectures personnelles.